Après la capitulation de Lille, le 27 août 1667, Louis XIV et Louvois eurent deux priorités. Transformer Lille en place forte, en demandant à Vauban de bâtir une citadelle. Gagner la bienveillance des habitants, en créant un nouveau quartier et en y autorisant l'implantation d'une communauté religieuse, celle des Carmes Chaussées. Les pères Carmes vont procéder à l'acquisition de terrains, dont l'un appartenait à Vauban, pour construire leur bâtiment conventuel et une chapelle, bientôt remplacée par une nouvelle église, érigée à l'angle des rues Princesse et Royale, comme le montre un plan de 1745. Thomas-Joseph Gombert, maître maçon à Lille, est l'auteur des plans de cette vaste église dont la première pierre sera posée le 9 août 1701. Près de 60 années seront nécessaires à l'achèvement de l'édifice, car les travaux seront interrompus à plusieurs reprises du fait de la guerre, de difficultés de financement aussi. Ramenée pour ces raisons à des proportions plus raisonnables, l'église sera terminée en 1758 et placée sous le patronage de Notre-Dame du Mont-Carmel. Bâti sur un soubassement en grès, avec de hautes et larges fenêtres, cet édifice montre bien l'appareillage briques et pierres calcaires utilisé par les architectes. La construction du clocher, élevé au XIXe siècle, œuvre de Louis-Marie Cordonnier, a été financée grâce à la grande générosité d'une paroissienne, Madame Jules de Vic, dont les armoiries familiales figurent sur la tour. Du côté jardin, le léger campanile bâti en 1756 rappelle nos peintures flamandes. La façade de style jésuite, rythmée au premier étage par des colonnes au chapiteau ionique, au second étage par des pilastres au chapiteau corinthien, est surmontée d'un fronton triangulaire. Les colonnes encadrent deux niches occupées par les statues de Saint-Pierre et de Saint-André, saint patron de l'église devenu paroisse Saint-André peu après la Révolution. Un majestueux portail donne accès à l'église. D'esprit baroque, l'église est construite sur un plan basilical rectangulaire sans transept. Deux rangées de colonnes en pierre bleue d'Écossine, au chapiteau de style composite, sculpté par un des pères Carmes, séparent chacune des trois nefs.
La hauteur de la voûte centrale en berceau atteint 26 mètres. Le plafond bleu, constellé d'étoiles dorées, est peint en 1853 pour la venue de Napoléon III à Lille. Une toile de Stalard nous laisse découvrir l'église sans ses plafonds peints. L'atmosphère des lieux en est radicalement changée. La grille en fer forgé n'est pas encore installée, mais la chaire à prêcher est en place. Œuvre de l'ébéniste valenciennois Jean-Baptiste Danzan, la chaire date de 1768. L'ange de la vérité, taillé dans le chêne, soulève une élégante draperie en bois de tilleul que certains interprètent comme le voile de l'erreur. Les panneaux de la cuve, en chêne également, figurent les vertus théologales, la foi brandissant la croix, l'espérance symbolisée par l'encre, tandis que la charité allaite deux enfants qui ne sont pas les siens. Après le départ des Carmes, seule cette chaire échappa au tumulte de la Révolution, l'église ayant été totalement pillée. L'Église met en scène les personnages chers à la contre-réforme, les saints et des épisodes de leur vie. L'autel consacré à Marie en est le meilleur exemple, avec les toiles peintes par Alphonse Colas en 1850. La visitation à la cousine Élisabeth, l'Annonciation, l'éducation de la Vierge par Sainte Anne, et le retour du calvaire. Les anges, personnages emblématiques de la contre-réforme, se comptent par centaines dans cette église que, pour cette raison, certains appellent familièrement l'église aux angelots. Are you that is rich?
La grille en fer forgé, œuvre du ferronnier lillois Bureau, datant de 1844, donne accès à un vaste chœur. Celui-ci se termine en forme d'abside, couverte par une demi-coupole que décore une grande toile marouflée, chef-d'œuvre de Joseph Husneau, l'extase des saints devant la Sainte Trinité. Une frise composée de 47 saints, au centre de laquelle trône la Vierge Marie. Tous vénèrent la Sainte Trinité entourée des symboles des quatre évangélistes. Derrière le maître-autel a été placé un tableau daté de 1822, œuvre du peintre lillois Guillaume Descamps. Ce tableau est inspiré par le martyr de Saint-André. André, l'un des premiers apôtres, devenu évêque de Patras, est représenté au centre de la composition. Il refuse d'adorer et de sacrifier aux idoles, comme l'y enjoint le proconsul romain, acceptant ainsi d'être supplicié sur une croix en forme d'X, devenant son attribut, la croix de Saint-André. Le maître-autel en marbre contient des reliques du saint. Pièce rare, ce tabernacle, dont la porte en bois sculptée et dorée, datée de 1830, reprend le thème des pèlerins d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus à la fraction du pain. En tournant, elle découvre un cylindre peint d'un ostensoir entouré d'angelots, lequel pivote à son tour pour révéler la présence d'un ciboire en son sein. La porte du tabernacle de l'autel de la Vierge a été ciselée par l'orfèvre lillois Baudou en 1776. Il choisit de représenter ici l'érection de la croix, inspirée sans doute par le tableau de Rubens, conservé dans la cathédrale d'Anvers. L'église est dotée de deux orgues en parfait état de fonctionnement, des Merclin, facteur d'orgue réputé du XIXe siècle. Le petit orgue trônait à l'origine dans les salons du donateur, Camille Bayeux d'Avrincourt. L'orgue de tribune a également été offert par ce généreux paroissien. Le buffet, daté du 18e, provenant de l'ancienne abbaye de Loos, est aujourd'hui classé. Autre pièce du mobilier de l'église, le banc d'œuvre, réservé autrefois aux marguilliers. Les marguilliers ou fabriciens étaient des notables laïcs, chargés de trouver des revenus pour l'entretien de l'édifice et son embellissement. Ils se faisaient parfois enterrer dans l'église.
L'église Saint-André est richement dotée en peintures, parmi lesquelles des œuvres d'Arnoux de Vouez, un peintre du 18e natif de Saint-Omer, qui habitait la paroisse et qui créa une académie de peinture à Lille. Deux panneaux peints datant du XVIIe siècle, aujourd'hui attribués à l'atelier d'Otto Venus, qui fut le premier maître de Rubens, ont fait l'objet d'une restauration récente. Celle-ci révélait, au revers des représentations de la présentation au temple et de l'adoration des mages, l'existence des figures de Sainte Agnès et Sainte Agathe. Cette découverte a confirmé que ces panneaux étaient bien les volets latéraux d'un triptyque dont la partie centrale a disparu. La sacristie abrite une toile du XVIIe, une œuvre de Guibrecht, une vanité, rappelant que l'ordre des Carmes est un ordre mendiant, vanitas vanitatis. Des pièces d'orfèvrerie et des habits sacerdotaux du XVIIIe complètent le trésor de cette très belle église classée monument historique en 1949. Concluons notre visite en se remémorant des événements qui sont la fierté de cette église. La célébration des baptêmes d'illustres Lillois, le général Négrier et le général Federbe, le cardinal Liénard et le général de Gaulle. To that moon.